Salut tout le monde, c'est Polo, bienvenue sur Blox Fruits. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, nous avons obtenu le Chuchipo... Le Chuchipo Katanaï. Oh my god, attendez, il y a un petit freeze. Moi je vais le prendre si vous voulez pas ça, voyons donc. Alors, ça m'a pris une éternité pour pogner cette affaire-là. Mais je suis trop content, parce qu'il te manque... A des méchants à spawn. Katakuri là ou quoi? C'est tellement fou, j'arrive pas à faire mon intro parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent dans ce... dans ce jeu, voyons donc. Un autre bonhomme a laissé ce fruit, mais je crois pas que je puisse le mettre dans mon inventaire, hein. Ah, oh, je peux le faire. Est-ce que je peux le faire pour le Spike Fruit? Ah, ok, évidemment. Alors, on va jouer au Blox Fruit Gacha parce que c'est le rituel de la journée. En début de journée, c'est ce qu'on fait toujours. Acheter quelque chose ici, et là, je peux pas l'utiliser. Et ensuite, on va faire quelques... Oh, je peux le storer. Je vais faire quelques raids. Je peux en faire deux en tout. Un en utilisant le Spike Fruit qui est là. Un en payant 100 000 $, 100 000 belly. Alors, comme ça, je peux avoir plus de fragments parce que j'en aurais besoin. En tout, j'en ai 76 000. Après, j'en aurai 78 000. J'ai détruit votre boss. Vous êtes Salomon, les petits Malkiners. Ah, 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 je suis en train de vous couper un petit morceau. Wolfen Rush. Et là, je me suis fait barbecue un tout petit peu. Alors, j'ai pogné mes 2000 fragments. Ils sont là. Alors, j'en avais vraiment besoin. Parce que je vous ai même pas dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ah ben non, vous le savez déjà. Vous avez regardé le titre et la... Miniature du... De la vidéo. Ok, what the hell was that? C'était gigantesque, mon frère. Alors, on va acheter le fruit d'eau. Plusieurs d'entre vous m'ont recommandé ceci. Et puis, je vois tout le monde avec ceci en train de se battre comme des fous. Et puis, moi aussi, j'ai envie de faire du... En tout cas, on achète ceci, les amis. Yeah, on l'a en permanent. Alors, mon but aujourd'hui est de l'améliorer à 100%. Faut que j'aille à Mastery 300, patanisé. Et là, pour ce faire, il faut que j'enlève mon power de dos, que je prenne Portal et que je me dirige à Ice Cream Land. Et ensuite, que je reprenne dos. J'ai toujours changé ça comme ça. Si seulement il y avait un moyen de changer le tour rapide de pression, ce serait nice. Il faut trouver le Cake Queen. Qu'il est... Ah, ok, oh, là, qui est là, pardon, je pensais qu'il était pas là. Donc, on va prendre cette quête qui est juste là, comme ça, on peut faire du cash, hein. Alors, on va détruire la Cake Queen, et ensuite, on va le bloquer comme un fou. Et en fait, quand je me suis trompé, il fallait prendre le fruit du Bouddha maintenant pour pouvoir taper la Cake Queen. Mais avant de faire quoi que ce soit, faut que je fasse un refund parce que j'ai zéro dans Blox Fruit. J'arrête pas de reset mes statistiques qui sont là. Un jour, j'aurai plus de Robux si ça continue comme ça, voyons donc. Donc, donnez-moi une seconde, on va mettre 3000 ici pour avoir, attends... Mêlée, défense et Blox Fruit. Comme ça, je peux faire beaucoup de dégâts. Alors, le triple katana qui est là, ou devrais-je dire Chuchipo katana qui est là, ne me sert plus à rien. Et j'ai foiré le bug du Bouddha. Ça va bien, mon affaire. Vous êtes sûrement plusieurs à vous demander ceci. Ah, ben là, mon petit Polo, pourquoi t'as pas le God Human? Pourquoi tu utilises Sharkman Karaté? Voyons donc. C'est parce que dans les vidéos précédentes, j'avais beaucoup de temps libre pendant que je... Oh my god! J'étais en train de hunt le Chuchipo Katana. Alors, j'étais en train de hunt des sea beasts, faire des raids par-ci par-là. Et j'ai décidé de prendre le Sharkman Karaté. Mais bon, anyway, on n'a pas le temps de niaiser. On va aller chercher le Do Flute qui est juste là. Et on va utiliser la première attaque que j'ai jamais utilisée de ma vie, le Fried Do. Je sais même pas si ça fait beaucoup de dégâts là, mais let's... Oh! Hé! Hey! Oh, j'ai tellement mal visé! Waouh! Ok, je m'attendais pas à ça, les brothers. Ça va mal, mon affaire. Cette fois-ci, je vais pas foirer mon coup, maman. Oh, my momo! Shitainer! Elle a explosé comme une folle, voyons donc. Alors là, c'est comme un missile. C'est comme si je suis Mega Man. Et là, je fais kaboum. Attendez, je peux viser vers le haut, c'est ça? Ah! Ok, c'est nice. Alors, nous avons le Frido qui est juste là. C'est tellement cool. Nous avons le Sticky Do. Oh, what the hell? Oh, c'est nice, ok. Et nous avons le Roller Donut. Ah, c'est ce que les gens utilisent. Ok, ok, ok. Parce que je les vois en train de rouler comme des fous avec le Do Fruit. Mais là, il me semble qu'il devrait avoir des pic-pics sur moi, non? Sur mon petit donut. Mais bon, peut-être que j'aurai ça plus tard. Ceci est le troisième Big Mom que je vais détruire dans quelques instants. Et je tiens à vous dire que j'ai Server Up deux fois. Et j'ai pogné les Big Mom chaque fois que j'ai Server Up. Quand la première fois qu'on l'a vu, et j'aimais pas Server Up, j'ai fait un autre Server Up, je l'ai pogné, j'ai fait un autre Server Up, je l'ai pogné encore. Ce qui est totalement crazy parce que d'habitude, faut faire autour de 10 à 15 Server Up avant que je trouve Cake Mom ou Cake Queen. Oh, je sais même plus c'est quoi son nom. Anyway, j'ai une autre attaque. Carve Door. Hein? What? Mais c'est la même chose que... Oh! J'allais dire c'est la même chose que le Roller Donut, mais en fait, le Roller Donut est plus petit et ça fait pas de kaboum. Et je peux faire ça à l'infini. Mais le Carve Door, à un moment donné, ça fait kaboum. J'ai compris. Alors, en gros, si je tiens pas le bouton... Oh! Ok, 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 ok. Bon, ben, regardez ça. Je vais Server Hop et on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je vais trouver Cake Queen? Telle est la question parce que...
Mon coup, ben que mon taux de réussite en ce moment est de 100%, je crois que tout le monde est allé faire leur shopping de Boxing Day. Regardez, Quick Queen est là, c'est à 100%! Ouais, tout le monde est parti faire leur shopping de Boxing Day. Être plus certain que ça, c'est impossible, les amis. En fin de compte, je suis en train de farmer ici parce que détruire des Quick Queen à longueur de journée, là, ça devient long parce que j'arrive plus à les retrouver. Je crois que tout le monde a terminé leur shopping de Boxing Day! Alors là, the pirates are ready to cast on ici! Vous savez déjà qu'est-ce que je dois faire, les amis. Je dois rentrer à la maison et puis les détruire. En plus, le don, le mastery, il est à 293. C'est bientôt terminé. Mais moi, là, je veux gagner un petit fruit gratos juste là. Pas à miser. Le dernier boss se retrouve juste là. Et puis, je me suis fait détruire par un dude qui a fait des attaques de fou. Et là, à la fin, j'ai juste pogné 100 fragments. Ça va bien, mon affaire. Venez ici. C'est une grosse perte de temps. My bad, man. Alors, on va utiliser le point of fruit. On va revenir là où ce qu'on était. On va aller chercher les 7 dernières mastery. Pas le temps de guiser. Tout ce que Tonton Polo voulait essayer, c'est sauver la patrie de... Oh my god. What the... Des pirates qui venaient attaquer notre château. Mais non, à la place, j'ai perdu du bounty. Ça va bien, mon affaire. Alors, nous avons atteint le mastery 301. Alors, nous avons la dernière attaque. Restless Dos Barrage. On va voir ça dans de quoi. Oh, c'est cette affaire-là! Où est-ce que je vais? C'est cette attaque que tout le monde utilise sur moi d'habitude. Donc, nous avons ça. Nous avons le Fried Dos. Hey, wow, il y avait quelqu'un qui voulait m'attaquer. Sticky Dough, juste là, ainsi que le Carved Dough. On a masterisé ce prix à 100%. Mais en fait, ce n'est pas vrai, les amis. Ne vous en faites pas, j'ai pas du tout oublié qu'il faut aller éveiller notre prix à 100%, voyons donc. Alors, pour ce faire, il faut aller là. Je me rappelle que j'étais venu ici à un moment donné et j'ai ouvert cette porte. Et ce mec-là, là, le Kick Scientist, il a dit, « Hey, tu veux que j'éveille ton dos, alors? » On va le faire. « Thanks for your help. Do you need help with anything? Yes. Would like to purchase a dough special microchip for 1000 fragments. » J'en ai 78 000. You can only do this every 2 hours. Donc, je vais l'acheter. Hein? You must wait. Parce que je fais les entrées! Oh, ok, je comprends pourquoi je peux pas l'éveiller au complet, cette affaire-là. Vous n'êtes pas sérieux, alors. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la solution? Yo, pourquoi j'entends une tonne de bruit? Qu'est-ce qui se... Wow! Attendez! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est autour de moi? J'ai vu vite fait. Oh, ce sont sûrement des abonnés, ok. Et pourquoi j'ai un smoke fruit? Pourquoi j'ai un life fruit? Ok, je crois qu'il y a des abonnés au job ça ici, voyons donc. Je suis en train de partir faire des trucs avec mes enfants, vite fait, bien fait, parce que je suis en train d'attendre que le temps s'écoule ici. Regardez ça, il faut attendre encore combien de temps? Hey, quoi? Comment ça je peux acheter? Ah, j'ai utilisé l'un des fruits. Une chance que j'ai pas utilisé le life fruit. My bad. Je veux redonner le life fruit à la personne qui me l'a donné parce que je l'ai en permanence. J'en ai pas besoin. Ah, ok, toi. Donc, tu peux le reprendre, mon petit Martinez. Voilà, perfecto. J'en veux pas, je l'ai en permanence. Ça sert à rien de l'avoir. Merci beaucoup de nous l'avoir donné, mais bon, je te le redonne, mon frère. Je ne voulais absolument pas gaspiller le microchip que j'ai acheté par erreur. Et c'est pour ça qu'on fait un frame rate, même si on n'a pas vraiment besoin de ça, mais ça va nous donner 1000 fragments chacun. Alors, c'est pas si pire que ça. Alors, j'ai remarqué quelque chose. Ce sont tous des abonnés que je n'ai pas dans ma liste d'amis. Alors, comment ils ont fait pour venir dans ma game? Mais qu'est-ce qui se passe? What the hell? Ils sont venus comme par hasard ou quoi? Polo, j'ai la chip pour le raid loading map. Ah ben, ok, d'accord. Ça a l'air qu'ils peuvent le faire pour moi. Alors, bon, on peut lâcher ici? Welcome to the raid event. Some of your special ability, blablabla. Alors, c'est ça le dough raid? Pour vrai? J'ai jamais vu ça. Ok, bon. Merci d'avoir contribué à l'éveillement, si je peux dire ça comme ça, de mon fruit d'eau. Je vous remercie infiniment parce que moi, personnellement, je peux pas le faire. Il faut que j'attende. Alors, merci pour votre contribution. Grâce à vous, je vais pouvoir avancer rapidement. Ah bah oui, les amis, regardez ça. On est vraiment dans le dough raid. Alors, c'est la première fois que je fais ça. C'est pour ça que j'étais passé à 100%. Mais je vois des crèmes glacées par-ci, des tours de chocolat par-là. Alors, on est vraiment sur l'île de Cake Queen, qui est la maman de Katakuri. Puis le dos, ça appartient à Katakuri, si vous voyez ce que je veux dire. Anyway, on continue notre aventure. Ça, c'est la troisième île. J'ai hâte de voir c'est qui le boss, les amis. La cinquième île est juste devant nous, les amis. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est super beau. Moi, je voudrais bien habiter là, hein. C'est mon rêve. Regardez-moi ces melons d'eau crème glacée. C'est tellement génial. Alors, le boss devrait apparaître ici, je pense. Je suis passé à 100%. Oh my god, j'ai vu un joli Kaido, man. Donc, il apparaît dans une seconde. Gros problème. Je sais pas où est-ce qu'il va apparaître. Ah, écoutez là, alors là, j'ai envie de voir. Je suis en train de me faire taper à longueur de journée. Il ressemble à quoi? Je vois rien. Je vais devenir petit à la place. Hein? Mais c'est pas Katakuri, cette affaire-là. C'est un diable. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est tellement hilarant. Yo, je vois le boss se faire tournoyer à longueur de journée. C'est totalement insane ce qui se passe, les potos. Alright, Mega Man Attack!
Ah, 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 je l'ai touché. Sticky no! Curve no! Oh my god! Je suis bientôt dead! Oh my god! Yo, je vais m'éloigner un tout petit peu pour être sûr à 100% que je vois pas mon coup parce que si je meurs live, ça sert bien à rien cette affaire là. Est-ce que c'est possible de solo ce raid si on a Bouddha? Je suis pas sûr à 100% parce qu'en ce moment je suis en train de me faire détruire. Mais bon, Fredo attack! Pro! Au moins je les aide de loin. Et puis les pirates sont en train de raid le casseur dessus alors. Dès que nous terminons ce raid, il pourra aller attaquer les pirates, hein? Ce serait génial. Mais avant tout, watch out! Et Restless Dompanage! Et j'ai visé dans le vide. Merci beaucoup de m'aider, les amis. Je me sens tellement mal d'utiliser leurs fragments pour faire ça, man. Et oh! Ils sont tous là. Ce sont tous des Do-Boys. Donc le Fried Do est le truc qu'on va améliorer, c'est ça? Donc, on va voir ça. Mysterious Entity Ascension! You wish to awaken your ZWT for 500 fragments! Oh, oh, oh! Le Fredo devient Missile Jab! Oh, wow! Là, ça me repousse! Ça doit être super puissant, oui! Alors, nous sommes dans un autre raid payé par un abonné. Merci beaucoup d'avoir pogné le micro-chip pour aider Tonton Polo. Et là, je tiens à vous dire quelque chose. Si vous êtes dans mon serveur et que vous me parlez, ça se peut que je vais pas vous répondre parce que d'habitude, je joue avec le chat fermé pour pouvoir me concentrer dans le jeu. Parce que lorsque le chat est ouvert, il y a plein de gens qui parlent passer par là, ça me déconcentre un peu et je suis pas concentré sur ma tâche que je dois faire sur l'écran, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est pour ça que je joue avec le chat fermé pour être plus concentré. Alors, si vous me parlez, je vous réponds pas. C'est pas que je vous ignore, c'est que je ne savais même pas que vous m'avez parlé. Prépare-toi à te faire détruire, petit moi, je vais pas peur de toi, j'ai beaucoup de vie. Et what the hell? Il a complètement disparu le dude. Ok, il est là. Wow! Ok, non, c'est vraiment du n'importe quoi. I don't understand what is happening, bro. Tellement d'accent passé par là et puis mon bonhomme, il est bugué. Je sais pas si vous le voyez, mais il est bugué. C'est vraiment drôle. Alors, je suis à l'église de la prophétie. Ou église, l'église de prophétie pour être plus précis. Nous avons le sticky dog qui est juste là. Là, je prends quelqu'un et je le jette. C'est ce qu'on va améliorer dans quelques instants. Donc, greetings, mortal. What do you seek? Ascension. Do you wish to awaken your F ability? Ah, oh, c'est le F? Ok, le roller donut qui est là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours le F après le Z. C'est bon. Donc, of course. Maintenant, le roller donut devient Scorching Donut. Ah, c'est cette affaire-là dont je vous parlais, là. Le donut avec des pics-pics. Je l'ai enfin, les potos. C'est trop nice. Il ne reste qu'un seul bonhomme ici, je pense, hein. Pauvre ce petit gars. Il va se faire détruire par tout le monde. Oh, oh, oh. C'est pas moi qui fais ça, mais je vais le faire maintenant. Ah, voilà, voilà. Et c'est terminé. Waouh, les raids se terminent tellement rapidement avec votre aide, c'est crazy, bro. Donc, nous avons le Sticky Do. Là, on va améliorer ceci. Donc, Mysterious Entity, what's up, my boy? Ascension, do you wish to awaken your X ability for 3000? Oh, oh, oh. Alors, le Sticky Do s'appelle Pastry River. Ok, on va voir ça a l'air de quoi. Regardez mon bonhomme. Ah, c'est cette affaire-là! Oh, ok, ok, ok. Alors, j'ai plus besoin de pogner quelqu'un et le jeter. Je peux jeter tout le monde en haut maintenant. Je veux voir si je peux acheter le raid. Donnez-moi une seconde. Donc, tout le monde achète le raid ici. On dit rien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est dans les advances? Je crois que c'est ça, hein. Parce que là, pour l'instant. Non, je vois pas ça. Ok, donnez-moi une seconde. Si je vais dans advance, ici. Oh, ok, on peut l'acheter ici. Ok, ok, ok. Alors, we would like to trade 1 million physical fruit for a dose special. On peut faire ça! Oh, ok, mais fallait le dire, les amis! Je savais pas que c'était possible! Parce que moi, je croyais qu'il fallait attendre les 28 minutes, mais si je peux les acheter moi-même, je vais le faire! En fait, comme le petit bouton JTBZ a déjà acheté un chip avant que je sache que je pouvais l'acheter moi-même, alors on a utilisé son microchip. J'ai vraiment désolé, j'ai vraiment cru que je devais attendre chaque 2 heures pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il faut lire ce qui se passe sur l'écran, mais il me semble que j'avais pas lu que je pouvais gaspiller un fruit qui coûte 1 million et plus pour acheter un chip. J'avais pas lu ça la première fois, à moins que ça vienne d'apparaître. I don't know, bro, man. Il ne reste qu'un petit pion, les amis, toi. Oh my god. Damn, toi, tu niaises pas, mon petit kitsune boy, hein. Alors, c'est terminé. J'ai quasiment rien fait pour être honnête avec vous. Les autres doutes, ils sont en train de détruire tout le monde à longueur de journée. Et le mystérieux entité, là, je crois que, pour vrai, il n'y a pas un sourire. Il y en a marre de me voir, voyons donc. Il est comme, achète d'auto maintenant, voyons donc. Mais c'est lui qui me laisse pas tout acheter, hein. Je vais revenir le voir bientôt. Oh, c'est vrai. Le C-Ability, Carve d'eau. Ah, ok, c'est cette affaire-là. Voyons voir
qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va l'améliorer? Ascension! Do wish awaken your sea ability for 4000 fragments. Ah, oh, ça coûte cher, les brothers, man. Dont le carve d'eau devient... Piercing Clothesline? What the hell is that, bro? Donc, testons l'attaque. Ah, oh, c'est cette affaire-là, et après, j'ai fait un gros kaboum. Mais j'ai pas fait de kaboum. What the hell? Ceci est le dernier raid à compléter, les amis. Là, je me sens vraiment mal parce que c'est seulement les abonnés qui ont payé. J'ai dit que je pouvais acheter le chip. C'est eux, ils ont pas encore acheté ça. Et puis, ils m'ont tous dit qu'ils ont déjà acheté ça pour moi, alors. Je me sens vraiment mal, les amis. Mais bon, merci beaucoup de m'avoir aidé comme ça. Et... oh, bye. Ok, le raid est complété. Bon ben, le Restless Door Barrage, c'est ce qu'on va améliorer. C'est le bruit qui fait voilà, je venais de l'utiliser, alors je peux pas l'utiliser maintenant. Mais bon, on va l'améliorer, les amis. C'est le... hein, quoi? You wish to awaken your tap ability? Damn! What's this? Hey! Of course. C'est quoi ça, tap? C'est pour frapper? Oh, je peux frapper maintenant! J'ai débloqué le left click, c'est ça. Oh, attends, ça c'est à moi cette affaire-là. Oh, c'est à moi cette affaire-là et maintenant, je peux taper pour attaquer, mais c'est pas rapide du tout. Un coup, deux coups et trois coups. Oh, c'est super lent, mais c'est toujours mieux que rien, les amis. Hey, what the heck is this? Magma Fruit? C'qui m'a donné ça? Hey, j'en ai pas besoin, les amis. Les amis, je suis rentré dans un raid, mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. What the hell is that? Pourquoi je... je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, les amis, mais on dirait que je ne suis pas dans le raid. C'est trop hilarant. Alors, est-ce que je peux terminer le raid comme ça, même si je suis pas là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, on dirait qu'on va prendre une petite photo, les amis, puis... yo, je vois le vrai Katakuri juste à côté de moi. Dim, c'est super bien fait. Je suis en train de parler avec les abonnés, puis on va prendre une petite photo ensemble. Cheese. Je suis en train d'attendre que le temps s'écoule et voir si je peux compléter le raid comme ça. C'est trop hilarant, mais tout le monde a le foulard de Katakuri. Waouh. Vous êtes tous super beaux, les amis. C'est tellement dur à lire vos messages, les amis. Il y en a tellement. Mais à ce qui est vrai, il n'y a plus personne dans le raid. Et moi, j'ai bugué. Est-ce que je peux rentrer dans un autre raid ou bien il faut que... hey, attendez. Hold up. Mais j'ai redonné le prix magma. Ah, ok. Eh, hey, oh, what the hell, bro? Non, moi, j'en ai pas besoin. Donc, on va faire un autre raid, je pense. Alors là, je vais payer. Je vais leur dire que je vais payer. Non, j'ai payé. Oh, t'as déjà payé, Katakuri? Ah! Oh, ok. Bon, ben... d'accord. Je peux pas payer si quelqu'un l'a déjà payé. Donc, on va voir si cela marche. Je vois le timer. Je vois le loading map. Et on sait de ce qu'on va se faire téléporter. Au bon endroit cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, je suis au bon endroit, mais mon timer est encore à 7 minutes. Hey, what the hell, bro? Oh, c'est possible de faire ça? Wow, this is so nice. Shoot taxi. C'est tellement cool, cette affaire-là. Alors, ceci est vraiment le dernier raid, les amis. On sait qu'on a tout complété. Monsieur Chop! Pastry River! Oh my god, je l'ai fait sur moi-même, ma bad. Piercing Clothesline! Ok. J'ai pas pu utiliser ces trucs-là sur mes ennemis. Mais bon, ce qu'on va améliorer, c'est le Restless Door Barrage qui est juste là. Ah, ok, je tape pas quoi que ce soit, alors ça fait pas beaucoup de bruit. Et puis là, je m'attendais tellement pas à avoir des attaques comme ça. Mais bon, en tout cas, je crois qu'il y a pas d'autre chose cachée, hein. Ascension! Do you wish to awaken your V ability for 5000 fragments? Ça, c'est vraiment le dernier. Of course! Donc, le Restless Door Barrage devient... Double Fist Fusillade. Oh my god. Il y a tellement de frais intéressants dans ce jeu, c'est crazy. Donc, le Double Fist Fusillade. Oh! Wow! J'ai vu du jaune, j'ai vu du vert. C'était tellement beau. Ça me tente de PVP, mais le gros problème, c'est que lorsqu'on va aller dehors, ça va être la cata et je vais rien comprendre. Mais vous savez quoi? YOLO! Ah! Ils vont tous venir. Et ensuite, on va commencer à attaquer le monde. Ah, j'aurais dû leur prévenir que je vais PVP. Ah, je vais leur dire ça. Donnez-moi ici. Oh! Ok, non, je crois qu'on a tous compris. Let's go! Et là, j'ai un peu de temps.
Je veux même pas tester mes attaques. Je savais que ça allait arriver. Vous ne pouvez pas me toucher ici, les amis. On est dans une safe zone. Alors, je leur ai dit que je dois partir parce que c'est la vérité. Il faut que j'aille faire de quoi avec mon fils. Alors, pour l'instant, on va se laisser ici. Et je tiens à vous dire merci beaucoup de m'avoir aidé à full awaken mon fruit d'eau qui est juste là. Regardez. Wow. C'est tellement cool, j'adore ce prix-là. Il faut juste que j'apprenne à l'utiliser. Mais ouais, merci beaucoup d'avoir payé mes raids. Je savais pas que je pouvais les payer moi-même avec des fruits. Merci beaucoup de m'avoir aidé à compléter ces raids. Vous êtes les meilleurs. Arigato gozaimasu. Mais bon, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure demain. Alors aujourd'hui, on a complètement éveillé notre dos flûte. Et là, la prochaine fois, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais bon, on verra ça. Il y a beaucoup de choses à faire dans BloxFoot. Alors, on va bien s'amuser. Je suis sûr à 100%. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, me suivre sur les réseaux sociaux, bla bla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!